Et bonjour à tous, c'est Boufan pour une nouvelle partie et aujourd'hui on n'a pas le temps. Y'a un copain qui m'attend. Et donc du coup j'ai pris Boule Disco parce que quand y'a pas le temps, y'a Boule Disco. Et comment ce truc c'est plus rapide que moi? Sérieux? Arrêtez de faire des Pokémon plus rapides, c'est trop nul. Bon, lui je suppose que c'est un méchant. Bon, le Pokémon sauvage c'est aussi un méchant. Ah, le Gloopty. Alors, qu'est-ce que l'on pense de Gloopty? Est-ce qu'on aime ou est-ce qu'on n'aime pas? Bah, je sais pas. Allez, tourne la tête. Voilà. Bah, Gloopty, c'est un Pokémon. Regardez. D'abord, je vais finir mon monologue sur Gloopty, voilà. Gloopty, c'est un Pokémon que j'aime bien, mais... que j'ai jamais eu l'occasion de prendre dans ma team. Et du coup, il y a notre pire ennemi. Salut. Eh Bou, c'est donc là que tu te cachais. Comment ça va? T'as dressé des Pokémon? Je vais vérifier. Je pense que ce combat doit être le combat que tout le monde arrache quitte. En tout cas dans la version originale, Ruby et Saphir. Parce que ce combat, si on n'est pas bien préparé, c'est la mort. Et d'ailleurs, j'aurais pas pensé qu'il m'enverrait l'Imagma. Pas grave, pistolet à eau. Les IA sont pas encore intelligentes dans ce jeu. Non, pas ça. Oh, j'aime pas cette attaque. Sérieux, pourquoi est-ce que vous apprenez bâillement à tous vos Pokémon? C'est une mauvaise manie. Bon, allez, Bulle, va faire un dodo. Mandarine, est-ce que je compte sur toi? Allez, hop. Allez, on encourage tous Mandarine pour son premier vrai combat, même si elle est pas du tout au niveau. Oh là là, je suis triste pour toi, Mandarine. J'espère que tu vas pas pleurer. Un peu, mais... mais si, en fait. Oh là là, pauvre Mandarine, non! En même temps, elle est super forte, sa poursuite. Eh, mais du coup, mais si j'essaye de fuir le combat, en fait, il va m'attaquer, en fait. Dahlia, suicide! Oui, c'est bien ce que je pensais. Parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu cette attaque en combat. Ok, bah du coup, Dahlia est venue pour rien. Allez, Dahlia! Fais ce que tu fais de mieux! Oh, elle a résisté un coup, c'est trop bien! Elle a même fait un coup critique! Elle a aucun respect, Dahlia! Oh, Dahlia, je t'aime bien, finalement. Est-ce que c'était un mouvement intelligent, ce que j'ai fait, là? Non, pourquoi il est plus rapide que moi? Pourquoi est-ce qu'il y a des voitures dehors qui viennent faire du bruit dans le micro? Ah, mais ça a une défense de fou, ce truc! Allez, dis-moi que je le tue. Détruis-le, détruis-le. Ouf. C'est bon, la menace a disparu. Il ne reste plus que le petit Goélise. Ouais, l'équipe est mal en point, dis donc. C'est pas génial. Mais bon, Goélise, ça devrait aller. Oui, et c'est très malin, j'envoie un Pokémon de type plante face à un Pokémon de type vol haut. Allez, l'attaque des météores! Les météores de l'amour! Petites étoiles filantes! Faites Boule Disco, c'est harmonie! Oh là là, dire que j'ai encore toute la fin de la route à faire! Non mais sérieusement, ce combat, il est terrible! Parce que même si on arrive à le battre, il y a encore tout le reste de la route à faire! Pas mal du tout. Je t'aime pas, Brice. Je t'aime pas, Brice. Bon, tu as continué l'entraînement sans me prévenir. C'est bien. Allez, prends ça. Merci, l'objet qui ne se sert à rien. Ça cherche objet. Utilise-le pour chercher des objets qui soient invisibles. Lorsqu'il détecte quelque chose, il se met à vibrer. Même si sur une Game Boy, il n'y a pas de fonction vibration, donc c'est trop nul.
Quand même, ça serait horrible, une fonction vibration sur une manette, sur une Game Boy. Même sur une 3DS. Ouais, ma team est mal en point. J'espère que je vais pas rencontrer de méchants dresseurs. Non, mais je rencontre plein de Pokémon. Oh, le Mystherbe. Toi, j'aurais bien voulu t'avoir dans ma team, mais il y a déjà Boule Disco. Donc je suis désolé, tu ne feras pas partie de ma team. Toi, je te vois, madame. Oh non, je suis obligé de les battre, ceux-là. Sérieux, pourquoi est-ce que vous avez mis des dresseurs Bon. Une séance de soins s'impose. Heureusement que j'ai pris des potions. On va prendre Sonate. Allez, une autre potion pour Sonate. Voilà. On va mettre Boule Disco à la place de Sonate. Et on y va. J'ai deviné tes intentions, impossible que je perde. Je suis tombé de la piste cyclable. Waouh, mais c'est terrible, dis donc. Je vais me faire passer la honte sur un pocket. Non mais madame, t'es tombé de la piste cyclable, sérieux. Comment t'as fait? Mais tu vois pas, je suis aveugle en fait. Pourquoi tu fais du vélo alors? Faut faire du vélo d'appartement, c'est moins fatigant. Non, c'est pas ce que je voulais dire, c'est moins dangereux. J'aime pas trop le magnétisme, il me fait peur. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça d'ailleurs? J'aurais pu attaquer le Magnéti. Pouvoir de l'amour. J'avais compris l'intérêt de puissance cachée. Ça sert tellement à rien, puissance cachée. Ou est-ce que c'est puissance cachée que je veux te parler? Oui, c'est puissance cachée que ça sert à rien. Enfin, en tout cas, dans les anciennes générations, je sais pas si ça servait déjà. Parce que j'ai toujours eu l'impression que, même en étant très efficace, la puissance cachée, ça sert à rien. Ah, la plénitude. Va pour. Je ne dis pas non. Il y a plein de bruit dehors, c'est terrible. C'est le jour des récoltes. Ouais, il y a même des camions, c'est terrible. J'ai le droit à tout le bestiaire des véhicules. Allez, plaquage. Bon, ça va. C'est pas trop difficile. Ils se sont bien débrouillés. Bravo. Je n'ai même pas vu ma propre fin. Oups, t'as réussi à gagner. Non mais madame, comment t'as fait pour tomber de la piste cyclable, sérieux? Je suis désolé, mais t'as disparu si t'es tombé de la piste cyclable. Yeah, j'ai deviné qu'il y avait une Pokéball. C'est par le pouvoir de la pensée. Oui, la ville, la ville, la ville, la ville. Oui, ville promise. Il est où le centre Pokémon? Il est là. Phew. C'est bon, c'est gagné. Vite, madame, soigne-moi mes Pokémon, ils sont mal en point. Ah, ça va mieux. Alors, que se passe-t-il ici? Tu connais les cycles Rodolphe? Rodolphe, le propriétaire, est un homme très généreux. Oh, salut Timmy. Oh, tonton, s'il te plaît, je veux me battre dans cette arène, à voir à quel point j'ai progressé. Je peux, s'il te plaît? Attends, Timmy. Depuis que tu as commencé à vivre avec ton Pokémon, tu es devenu plus fort. Mais tu ne trouves pas que combattre une arène est un peu prématuré? Surtout en commençant par l'arène numéro 3. Quand je suis avec mon Tarsal, rien ne peut m'arrêter. Oh, salut, Bou. Je suis devenu bien plus fort depuis la dernière rencontre. Je veux que mon oncle et toi compreniez ça. Tu acceptes de combattre contre moi? Merci, Bou. Ok, j'arrive. Allez. Combat contre Timmy. Il nous pointe du doigt, il est pas sympa. Ouais, mais t'es super faible en fait. C'est parfait. Allez, Dahlia. Non, Dahlia ne va pas augmenter de niveau. Oh non, sérieux, fais pas ça, ça se fait pas.
Mais non, mais ça c'est la technique des nuls. Franchement, Timmy, tu devrais être banni. On fait pas ce genre de technique, ça se fait pas. Voilà, bien fait. Du coup, tu vas mourir de façon toute bête. Ah mince, il a synchro. Bon bah désolé, Dahlia. C'est triste pour toi. Bon, de toute façon, je m'attends à ce qu'il fasse choc mental. Ne me dis pas qu'il a pas appris choc mental à son Tarsal. Ça serait triste. Voilà le magnifique combat de stratégie. Je baisse sa vitesse, il augmente son esquive. Ouah, Dahlia, elle a résisté! Mais pas pour longtemps parce qu'il y a le poison. Ouais, Dahlia, elle s'est renforcée entre deux parties. Je vais prouver que je suis pas inutile. Mais je suis désolé, Dahlia, mais il y a forcément un moment où tu vas disparaître. En attendant, je vais envoyer Mandarine. Toi, il faut que tu augmentes de niveau. C'est nécessaire. Mais bon, du coup, maintenant qu'il a augmenté. Est-ce que c'est pas un peu risqué ce que je fais? Enfin, je sais plus Est-ce que c'était déjà le cas dans un Pokémon où si on aspire à un Pokémon qui est empoisonné, on est empoisonné nous-mêmes? Bon bah. Je sais même pas si j'ai envie de combattre. Parce qu'il fait choc mental après ses esquives. Moi je joue pas contre les tricheurs. Je vais utiliser toutes mes potions, ça sera bien fait pour toi. Parce que Timmy, ça se fait pas de jouer comme ça. T'es quoi, t'as un NPC? Ah bah oui, t'as un NPC, c'est vrai. Y a que les NPC pour jouer comme ça. De façon déloyale et injuste. Ah, tiens, je t'ai mangé. Voilà, le Tarsal est KO. Nya-ha-ha. Bien fait. J'ai perdu! Eh bah oui, bah t'avais qu'à pas tricher. Tonton, je veux rentrer à Vergazon. Merci, Bou, c'est dur d'être dresseur. Il suffit pas d'avoir des Pokémon et de les envoyer en combat. Il suffit pas juste de faire reflet et de faire choc mental après. Hein. Rien ne t'empêche de dire pur fort. Rentre chez nous, tout le monde t'attend. Bou, je viens juste de dire que tu as le dresseur qui a gardé un œil sur Timmy quand il a attrapé son premier Pokémon. Pourquoi ne viendrais-tu pas nous rendre visite? Ok. Oh non, t'es encore là, toi! Laisse-moi tranquille! Laisse-moi tranquille! Laisse-moi tranquille! Laisse-moi tranquille! Voilà, disparais! Ah oui! Ils ont encore. Il y a encore les machines à sous. C'est bien. Alors, c'était ici, je crois. C'est toi? Non, un vélo. C'est quelle maison qui propose la machine à sous? Les gens m'appellent le type au Clatroc. Et j'aime pas trop ça. Je crois que j'ai mérité un surnom plus flatteur, comme le mec éclatroc. Cool, merci. Mais bon, ça m'embête d'apprendre cette CS. Non, mais quand même, on peut dire ce qu'on veut, mais l'oubli des CS. Dans les prochains jeux, c'est vraiment génial. Parce que qu'est-ce que c'est une perte de temps? Allez, éclatroc. Alors. Ah, Mandarine peut pas apprendre. Bon. C'est pas grave. Pour l'instant, je vais pas l'apprendre. Mais on se retrouvera bientôt pour enfin, bientôt pour la partie suivante. C'est pas encore la fin de la partie. Mais la partie suivante, je me retrouverai avec un nouveau Pokémon qui me sera bien plus utile. En attendant, on va affronter ce monsieur parce qu'il m'a vu. Je suis en plein milieu d'un triathlon, mais tant pis, battons-nous. Ah. Le triathlète. Les dresseurs de cette route, ils sont géniaux, je trouve. C'est le meilleur endroit pour s'entraîner. Le dos du haut.
Fais pic-pic. Mais c'est pas grave. Ah, c'était facile à battre. C'est bête, monsieur. Tu n'as pas assez de force. Non, arrête. Comment est-ce que tu fais pour enregistrer sans ma permission? Pour la peine, je suis obligé d'affronter ce petit garçon, là. Même si c'est pas un petit garçon, mais c'est pas grave. C'est l'éleveur. J'aime bien affronter les éleveurs, ils ont beaucoup de Pokémon. C'est idéal pour entraîner. Bon, même si Sonat est très haut niveau et du coup, c'est un peu bête. Pauvre Chuchmur, il est mort. Alors, Zigzaton... Bah, on va envoyer Mandarine. Histoire qu'elle fasse un peu des combats. Hey, Mandarine, on compte tous pour toi. Même on compte tous sur toi. Oh, faut pas baisser mon attaque, ça se fait pas. Pourquoi vous voulez tous baisser mon attaque? Surtout si c'est pour faire coup de boue après. Je ne sais pas, je spam mes attaques au pif. Je vais toutes les montrer. Yeah, Mandarine niveau 17. Parfait. Bon, par contre, le Nirodel, je peux rien faire contre lui. Je vais pas risquer. Allez, au Bali. Attaque le Nirodel. Envoie-lui un sorbet. Paf. Le Makuhita. Makuhita. C'est vrai que j'ai pas de Pokémon de type vol pour affronter les Makuhita. En plus, ça a une défense de fou. Je sais pas si j'ai bien fait d'envoyer Mandarine. Il va sûrement faire l'attaque horrible là, Cogne, je crois, ça s'appelle comme ça. Voilà, je le savais. Je lis dans ton Pokémon comme dans un livre ouvert. Pourquoi vous faites tout ça? Ça se fait pas. Non, finalement, je préfère que tu fasses Cogne. Bien. Mandarine augmente petit à petit. Lentement, mais sûrement. Oh, il fait un bruit trop mignon, le Galekid. Allez, au revoir, Galekid. C'était un plaisir de t'avoir connu. Et le Mediena. Bon bah Mediena, toujours Mandarine. Parce qu'il faut que Mandarine évolue. Et c'est bientôt le cas. Allez, miam miam miam. Au revoir Mediena, c'était un plaisir de t'avoir connu. Bye bye, éleveur. Tu as très bien élevé les tiens. Ah bah oui, je suis un dresseur. Mais pourquoi vous voulez tous m'enregistrer? C'est pas possible. Ah, il y a plein de gens qui courent dans l'eau. C'est terrible. Il doit y avoir quelque chose de spécial ici. Je fais du triathlon avec mon Pokémon. Alors je suis confiante en vitesse. Eh, hey, mais t'es la madame qui est tombée de la piste cyclable. Mais non, tu me confonds. Moi, je suis ami avec l'autre qui a un dodio. On va faire un duo de dodio. D'ailleurs, ce dodio, il est rapide. Et il vient de mourir tout seul. Bravo, dodio. C'était très intelligent. Je crois qu'il me faut plus de pratique. Ah bah oui, parce que la confusion, elle t'a eu. Pourquoi est-ce qu'ils veulent tous m'enregistrer dans cette rue? C'est terrible. Salut, petit garçon. L'air embaume ici.
Ah, lui, je le connais. Lui, je le connais. Je sais qu'il a des Pokémon horribles. Du coup, je vais pas prendre de risque. Hier, un scout et maintenant un entomaniaque. Mais mon amour pour les Pokémon reste intact. Monsieur, tu fais peur. Didier! Voilà, ça c'est le Pokémon que je voulais. Dahlia, pourquoi t'as pas évolué en ça? Non mais c'est vrai, j'aime bien le design de Papinox, il est super joli. Ah mais tu peux spammer, c'est pas grave. Tu ne résisteras pas à la balle glace. Ah, c'était terrible. Pauvre Papinox. Mais c'est vrai, Papinox, il est tellement plus joli que voilà Charmillon. Bon après c'est un choix personnel, mais genre dire je sais pas, Charmillon, il est banal, je trouve. Alors que Papinox, il a un peu de charisme. Voilà, en même temps, c'est un peu le même style que dans Pokémon, bah, la première génération. Genre dire, j'ai toujours préféré, comment il s'appelle, Aeromite à Papilusio. Papilusio, il est un peu bof. Que penses-tu? Ces fleurs ne sont pas tellement magnifiques? Je les ai toutes plantées moi-même. Alors maintenant, je vais marcher dedans. La Super Bowl. Bon, Ok. Oh bonjour, je voulais juste dire que mon oncle m'a acheté un Pokénav. Oh c'est trop cool, entre-temps. Super. Super, Timmy est dans mon Pokénav maintenant. Ah bah du coup, j'ai pas fait attention. Pourquoi tu veux développer mes Pokémon? Je veux que ça devienne des logiciels informatiques. C'est Clotilde. Bon par contre... Oh mais non, mais faites... Faites pas ultrason, c'est pas sympa. Pourquoi vous avez que des attaques comme ça? Non mais sérieusement, les NPC, il faut arrêter de leur mettre des attaques comme ultrason, onde folie, abri, détection. Faut arrêter de leur mettre ça parce que c'est de la triche. Et aussi surtout reflet. Faut arrêter de le mettre reflet parce que c'est pénible. Mais non, Bulle, elle va mourir. Allez, Bulle, résiste. Oh là là. Pauvre Bulle. Mais en plus, ça l'a même pas tué. En plus, il me fait l'attaque du non-respect. Tu vas voir. Moi aussi, je te fais l'attaque du non-respect. Bon, par contre, ça fait un peu mal aux oreilles. Je vais changer de Pokémon. Bon, allez, Sonate. Il est temps de briller. Je me demande si c'est peut-être pas pour ça que j'aimais bien les Pokémon de type Psy. Parce que ça attaque un peu tout le monde et. Et à part les types Ténèbres. À part les types Ténèbres, il n'y a pas tellement de résistance. Bon, il y a les types Acier. Il y a aussi les autres types psy. Bon, il y a quand même beaucoup de résistance, mais c'est pas grave, j'aime bien les Pokémon de type psy. Allez, hop. Au revoir, Roselia. Bon, c'est un peu long. C'est pas très intéressant, il se passe rien. C'est très bien. C'est très bien de spammer les chocs mentaux. Tout le monde devrait spammer les chocs mentaux. Bravo, Sonate. Encore quelques niveaux et ce sera bon. Oh, le Poissyrène. Il est joli, Poissyrène, quand même, comme Pokémon. Dommage qu'il soit aussi pénible à trouver. Ah, le sacré Skitty. Non, pour Skitty, je vais l'affronter avec Mandarine. Parce que Skitty, il est trop mignon. Chacha!
J'aime les Skitty. Et bon, par contre, fais pas Mimique parce que j'ai peur. J'ai peur de ce que tu vas faire. Il va me faire des tornioles, je vais le sentir passer. Oh non, le PV! Oh, ça va, ça m'a rien fait. C'est trop triste. Mais c'est bien tenté. Bon, en même temps, Skitty... Skitty, il a des stats tellement horribles. C'est trop triste. Je suis contente d'avoir rencontré un dresseur comme toi. Pourquoi est-ce que vous voulez tous être dans mon Pokénav? C'est peut-être pour ça que j'aimais bien cette route, parce qu'on pouvait tout le temps les appeler et faire des combats. Mais bon, voilà, ça sera la fin de la partie pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve bientôt pour la suite. Et d'ici là, portez-vous bien et salut à tous pour le... Ben, pour la prochaine fois. Bye bye. En attendant, je vais me boire un petit thé. Au revoir.